Coucou les amis, j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo, mais je viens de me faire un petit tirage pour moi. Je vais vous le partager parce que vraiment, enfin, il y a un clin d'œil de l'univers. Je trouve ça très très drôle. Je venais de me tirer juste moi-même trois cartes, oracle de la transformation du papillon, juste en mode blasé de la vie, j'en ai marre, je suis fatiguée. Voilà, qu'est-ce que l'univers a à me donner comme message? Et vieillir en beauté, c'est pas beau ça, vieillir en beauté. Donc, depuis ce matin, je suis là, je suis fatiguée, j'ai des rides, je suis en train de prendre un coup de vieux, j'ai des cernes pas possibles, j'ai une tronche hallucinante. Donc je trouve que c'est tellement drôle que je voulais vous le enfin, vraiment je voulais vous le partager. Possiblement, évidemment, effet miroir un jour, miroir toujours. Voilà, ça peut aussi parler à quelqu'un d'autre. Donc, je vous montre les trois cartes. Vieillir en beauté, guérir les blessures du passé et, pour répondre à vieillir en beauté, nouveau programme d'exercice. Et vous avez vu l'univers, comment il est gentil. Oui, tu prends un coup de vieux, t'as une sale tronche, mais adapte-toi. Alors. Le message, il est quand même le suivant. Et finalement, c'est très beau. Donc, c'est aussi pour ça que je vous le partage. Vieillir en beauté, on est en fait presque dans une perception amérindienne de la vieillesse. Vieillir est un honneur parce que vieillir, c'est surtout faire de l'expérience, bénéficier de l'expérience. Et comment tu peux changer de regard, nous, dans notre situation, enfin, pas dans notre situation, mais évidemment, dans notre civilisation occidentale. Faut être jeune, faut être beau, faut être machin. On se met des putains de filtres là parce que comme ça tire la peau. Puis là, c'est tout blanc. On voit pas trop que j'ai une sale tronche. Je sors du lit, voyez bien. Je suis toute pas préparée. Je suis mais brute de brute. Vieillir en beauté. Accepte ton vieillissement. Accepte, voilà. Parce que en même temps, cadeau caché. Eh ben, le vieillissement, c'est quoi? Ouais, c'est l'expérience et c'est comment est-ce que tu partages aussi tes expériences? Comment est-ce que tu partages les leçons que tu as tirées de la vie, eh bien, à ceux qui viennent derrière. Il y a des gens qui ont toujours été là vers toi devant pour t'aider. Et toi, comment tu peux maintenant, parce que tu as le privilège d'être considéré comme une aînée, ils disent dans le bouquin. Donc là, tu ne sais pas si tu le bouffes tout de suite, le bouquin, si tu le balances dehors. Tu es considéré comme une aînée et les gens viendront te demander conseil. Ok, d'accord, je suis une aînée. Bon, voilà, j'ai passé le stade des 45 ans. Ça y est, je suis passée du côté obscur de la force. Vieillir en beauté. Et pour ça, ma grande, bouge ton cul. Adapte les niveaux d'exercice. Non, quand même, vous avez vu comment c'est drôle, quoi. Ah non, ça c'est guérir les blessures du passé. Je me trompe. Nouveau programme d'exercice. Comment, pour vieillir en beauté, pour tendre les tissus, parce qu'il y a un petit peu tout qui s'affaisse avec l'âge. Donc, ma grande, arrête de vouloir faire de la gym comme tu faisais, parce que finalement, les barres asymétriques et puis la poudre, c'est plus de ton âge. T'es un petit peu vieille, on vient de te le dire. Donc, ce que si, va faire du yoga. Hein, c'est bien, yoga, c'est en douceur et tout et tout et tout. Adapte un programme d'exercice à ton âge. Et comme ça, tu guéris les blessures du passé. Un schéma, bim. Un schéma de vie est récurrent. Un schéma est récurrent dans ta vie. Tu te heurtes sans cesse. Du coup, j'ai le soleil en plein dans la figure, mais c'est voilà, c'est pour mettre encore de l'éclairage et du rire et de la joie, hein, parce qu'à un moment donné, on ne va pas pleurer. Le schéma est récurrent dans ta vie. Il y a un schéma, tiens, sur lequel tu dois mettre du soleil, sur lequel tu dois mettre de la lumière. Il est l'heure de regarder en face les rides. Non, la lumière, les émotions. Il est l'heure d'arrêter de faire semblant, il est l'heure d'éclairer avec authenticité ce que tu ressens pour laisser partir ce schéma récurrent. D'accord? Et parce que tu laisses le schéma récurrent partir et que enfin tu fais la paix avec tes émotions au plus profond de toi, tu peux vieillir en beauté. Ta-ta-ta. C'est pas beau ça. Donc voilà, c'était très très court, c'est une petite vidéo très ironique, c'était mon tirage personnel du matin. Tout va bien, je vieillis en beauté. C'est pas beau ça. Je vous embrasse très fort et encore une fois, prenez tout ça comme un petit clin d'œil. L'univers est très taquin, surtout à la fin de ce mois de novembre où
Vraiment, on a été plié, essoré, tergiversé, machiné, tout ça dans les moindres détails. Il est l'heure d'arrêter de lâcher le mental, de se bouger le derrière pour activer l'oxygène dans la circulation des tissus et souffler un petit peu. Bon courage et je vous embrasse très fort. À très vite.